Cadeau vedette du Noël 99, les Français découvrent un jeu japonais vieux de 3 ans à grand renfort de moyens. BD, vidéo distribuée gratuitement chez les revendeurs, le succès de Pokémon n'est pas improvisé, il était même prévisible. Qu'est-ce qui connaît les Pokémon là ? À la récréation, les Pokémon sont le sujet de discussion. Chacun y exhibe des albums de cartes à l'effigie des créatures. Les petites bêtes sont très prisées. J'ai presque la collection de cartes et j'ai beaucoup de posters. Ce que j'ai, c'est le jeu Pokémon sur Game Boy et puis quelques cartes. Dans un paquet, il y a une ou deux cartes rares, les plus convoitées, celles qui s'achètent à la pièce, beaucoup plus chères. Bah, une carte comme Dracaufeu, il vaut 200 francs. Ouais, voilà. Mais bon, personne n'achète 200 francs, ouais. Ça tourne autour de 80 si on veut la vendre. Figurines, montres, porte-clés, cartes Tamagotchi, Pog, déjà une cinquantaine de produits dérivés ont envahi le marché. Au Japon et aux États-Unis, les jouets dérivés ont rapporté plus de 30 milliards de francs.